Rupture choc, Milla Jasmine annonce sa séparation officielle de son fiancé Mujdat, elle s'exprime. Rupture inattendue et choc. Ce matin, Milla Jasmine avait annoncé via ses stories sa séparation de son fiancé Mujdat. La candidate vient de quitter le tournage des Marseillais versus le reste du monde et a passé sa journée à faire les interviews. Avant son départ au cross, Milla avait déjà précisé que c'était tendu avec son fiancé, d'autant plus au lendemain de l'anniversaire de Julien Tanti, les candidats ont eu la chance de retrouver leur famille comme Julien, Jessica, Nicolas, mais Milla est restée dans la villa alors que Mujdat était dans le sud. Plusieurs indices montraient que le couple était en froid. Par ailleurs, les internautes pensent que cette rupture est orchestrée pour de nouvelles histoires dans le cross. Milla s'est enfin exprimée de vive voix ce soir et Mujdat n'a toujours rien révélé. Je vous laisse avec sa story. Que pensez-vous de cette rupture? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bon mes petits chats, j'espère que vous allez bien. J'ai passé ma journée en ITV et je pense que c'est pas plus mal. Voilà, compte tenu de la situation, au moins je me dis ça m'occupe l'esprit. Je suis même plus énervée en fait, je suis blessée mais je suis très déçue et j'ai même pas envie de m'exprimer, j'ai horreur de faire ça. Je déteste m'afficher sur les réseaux sociaux, je refuse d'alimenter ça. Après, voilà, je pense que j'étais tellement choquée, énervée que bah, c'était plus fort que moi. Comme vous le savez, j'étais dans cette aventure depuis longtemps, donc il y a beaucoup de choses qui sont décuplées en fait quand on sort de l'aventure. Voilà, j'ai pas envie de donner plus de crédit que ça à ma déception, à ma colère. J'ai horreur vraiment de m'afficher sur les réseaux sociaux, vous le savez, et souvent ça me porte préjudice parce que le fait que je dise rien, bah, je passe souvent pour la méchante, mais c'est pas grave, la vérité elle finit toujours par se savoir, surtout quand on a été une bonne personne. Puis je sais qu'il y a des gens qui n'attendent que ça, qui ont envie qu'on se déchire sur les réseaux sociaux, et je pense que je mérite mieux que ça, que je suis au-dessus de ça. Donc je ne rentrerai pas dans le jeu par respect des gens envers moi-même et envers la relation que j'ai pu avoir avec lui. Donc du coup je ne m'exprimerai pas sur ce sujet. Mais encore une fois, tout ce que je lis sur les réseaux sociaux, bah, c'est complètement faux et la vérité est tout autre. Ce matin j'ai eu énormément de mal à me contenir et je pense que j'ai réagi sous le coup des nerfs. Et il ne faut jamais prendre une décision quand on est énervé, mais je pense que c'était à la hauteur de ma déception. Donc au final, quand on connaît sa valeur et surtout la vérité, je pense qu'il faut être forte et vraiment au-dessus de tout ça. Ça, c'est un conseil que j'aurais pu vous donner. Simplement, il faut aussi que je puisse me les appliquer